Buonasera signore e signori, siamo giunti quasi alla conclusione di questa giornata agli eventi letterari del Monte Verità, una giornata piena di spunti di riflessione. E adesso abbiamo l'onore di ospitare Tahar Ben Jelloun, che affronterà una tematica a lui e a noi molto cara: Razzismo e altri schiavismi, il titolo dell'intervento. Modera il direttore della RSI Maurizio Canetta, che invito a salire sul palco. Buon ascolto. Immagino che l'applauso era per Tahar Ben Jelloun e lo ringrazio di essere con noi in collegamento diretto dalla Normandia, in una Francia difficile, in una Francia complicata in questi giorni. Vi saluto in italiano, poi l'intervista sarà in francese. Se prendo il telefonino non è per seguire il calcio o altro, ma perché ho le note di alcuni brani che verranno letti questa sera, quindi faccio da lì. Che c'è? Il microfono si sta un po' abbassando e non chiedete a un uomo di televisione di saper usare il microfono. Niente, cominciamo subito perché è Tahar Ben Jelloun che vi interessa. Volevo solo fare un grande ringraziamento alla tecnica e all'organizzazione perché in questi giorni e in queste modalità è sempre complicato lavorare. Loro lo stanno facendo benissimo. Bonsoir, Monsieur Ben Jelloun. Bonsoir, bonsoir. Et merci de cette présence. On aurait aimé vous avoir ici au Monte Verita. Ce sera pour la prochaine fois. Deux notes, mais juste deux notes. Vous êtes né à Fès au Maroc. Vous vivez à Paris, même si vous êtes maintenant en Normandie. Vous êtes poète, vous êtes romancier et vous êtes journaliste. Je trouve que ce mélange est très important parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin des intellectuels qui peuvent et qui veulent intervenir dans le débat social, politique. C'est très important. Vous en êtes un protagoniste avec vos romans, évidemment, avec vos livres comme Le racisme expliqué à ma fille, l'islam expliqué à nos enfants. Et puis, ça va venir dans ces jours en italien, la philosophie expliquée aux enfants. On va en parler pendant le discours, l'interview que nous faisons. Et le dernier roman sorti en italien, qui est Insomnia, qui date du 2019. Donc, Monsieur Ben Jelloun, il y a une question qui est banale. Hein. On se la répète tous les jours, on le fait plusieurs fois. En général, nous, on ne nous soucions pas de la réponse. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle a un sens très profond. Comment allez-vous, Monsieur Ben Jelloun? Je vais bien malgré cette situation terrible, inattendue. Cette semaine, j'ai enterré de loin deux amis très chers. Un grand peintre qui s'appelle Méliès, qui a vécu en Italie dans les années 60 et qui avait épousé Toni Maraini, la sœur de Dacia. Maraini, et lui, il est mort à Paris du Covid. Et puis, j'ai perdu aussi un ami plus jeune qui a, en 3 jours, il a été emporté. Donc, nous sommes dans une époque de chagrin et de deuil. Et il faut faire très attention. Tout ce que je demande à tous mes amis, à tous ceux à qui je parle, c'est très sérieux, c'est très grave. Il faut vraiment, vraiment faire très, très attention parce que cet ennemi invisible, cet ennemi terrible, il est cruel et puis il tue. Donc, faites très attention. Bon, à part ça, je voulais d'abord remercier, bien sûr, les organisateurs de ce colloque, que je remercie vraiment. Et puis aussi, je rends hommage aux techniciens qui ont rendu possible cette rencontre virtuelle, mais en même temps, c'est comme si j'étais avec vous. Vous savez, l'amour et l'amitié que j'ai pour l'Italie, qu'elle soit proche de la Suisse ou près ou de l'Allemagne, ou presque, enfin, toutes les frontières italiennes, je les connais, et je suis très heureux de parler aujourd'hui avec vous.
Merci. Alors, on avait prévu que vous lisiez des petits morceaux de votre roman Insomnie, mais j'ai découvert une chose exceptionnelle. Je pensais que vous vous rappeliez par cœur tout le roman, vous n'avez pas le livre avec vous, mais ça se fait comment qu'on oublie ce qu'on a écrit? Je le fais exprès, je tiens absolument à oublier ce que j'écris pour pouvoir avancer, pour ne pas avoir la très grosse tête de celui qui a écrit un livre inoubliable. Non, tous mes livres sont oubliables et du coup, je suis incapable de me souvenir de la première phrase ou de la dernière, rien du tout. Donc, je suis un petit peu un écrivain qui renie, pas qui renie, mais qui oublie ses enfants. Alors, on va faire comme ça. Je viens, vous voyez la technique moderne. Hein? Je viens d'acheter la version française d'Insomnie sur Kindle. Internet. C'est pas de la pub, mais. Et donc, j'ai copié les morceaux que vous avez choisis. Je vais en lire quelques lignes en français juste pour vous donner le rythme. Mais comme ma lecture en français est absolument moche et c'est surtout à première vue, donc c'est déjà difficile en italien, vous imaginez en français, mais je vais le faire. Ça, c'est le début du roman. J'ai tué ma mère, un oreiller sur le visage. J'ai appuyé un peu. Elle n'a même pas gigoté. Elle a cessé de respirer. C'est tout. Ensuite, j'ai dormi longtemps, profondément. C'était la première fois que je passais toute une nuit dans un sommeil profond, apaisant, réparateur. Je ne me suis même pas levé pour pisser. C'est étonnant, car d'habitude, c'est toutes les deux heures. J'ai une petite vessie devenue intolérante avec l'âge, mais là, rien. La mattina, mi sono sentito bene. Come si dice, fresco e riposato. Non ho provato il minimo rimorso, la minima vergogna o pudore. Ho scritto spesso storie di omicidi ben congegnati, sono uno sceneggiatore. Mi è sempre piaciuto e i produttori hanno insistito molto perché continuassi, ma adesso mi sono risvegliato assassino. Non stavo più inventando storie, avevo cominciato a viverle e a trarne profitto. Come per incanto ero passato dalla scrittura alla vita. Nei giorni che seguirono, per la prima volta, ho iniziato ad aspettare la notte con impazienza. Io e la notte eravamo diventati amici. Nessuno aveva sollevato il minimo sospetto. La gente diceva, è stata fortunata, morire nel sonno è una bella morte. Io annuivo e ripetevo dopo di loro, sì, ha avuto una bella morte, ha avuto una bella morte, non ha sofferto. Ma dopo circa un anno le mie notti sono tornate a essere infernali. Vous reconnaissez d'avoir écrit ça? Oui, oui, je reconnais quand on le lit. Je ne sais pas que je peux le réciter, très bien. Pourquoi avez-vous choisi l'insomnie comme métaphore de la malaise de la vie? Je pense que l'insomnie est un mal, un mal qui est universel. Moi, je connais beaucoup plus de personnes qui dorment mal que de personnes qui dorment bien. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le rendez-vous de toutes les angoisses. C'est le rendez-vous de tous les problèmes qui n'ont pas été résolus dans la journée, qui viennent le soir et qui sont là. La nuit, c'est aussi la peur de la mort, parce que dormir, c'est accepter de tomber dans le puits et on ne sait pas si on va se réveiller. Et ça, c'est une très vieille angoisse qui date du début de l'humanité, c'est pas nouveau. Et l'insomnie est devenue pour moi la métaphore de la moitié de la vie. Il y a le jour où on fait des choses et la nuit où on est possédé par les choses. Et donc, cette idée de tuer quelqu'un, ou plutôt d'aider quelqu'un à mourir, et qui me donnait des possibilités de pouvoir avoir des points de crédit sommeil,
c'est une idée que j'ai un petit peu trouvée chez un tueur à gages américain. Je me souviens avoir lu une interview avec un tueur à gages qui disait que lui, pour tuer le président de la République, il lui faut 10 millions de dollars, mais pour tuer un SDF, un pauvre clochard, il faut pour 10 dollars, il le fait. Et j'ai repris cette idée du fait que lorsque je vais pousser ma mère à mourir, qui est quand même le capital humain d'une vie, je vais acquérir beaucoup de points de sommeil, et ainsi de suite. Vous l'avez dit, l'insomnie est un temps suspendu comme la nuit. C'est un peu ce qu'on a défini dans les moments les plus difficiles de la pandémie qui reviennent, on le sait, on le vit. Mais c'est peut-être aussi un moment de méditation et de réflexion, pas seulement d'obsession. C'est les deux, disons. Comment interprétez-vous ces moments de suspension, une insomnie presque continue? Comment les vivez-vous? Écoutez, le confinement du mois de mars, avril, mai, je me suis senti comme dans une bulle en dehors du monde. J'ai travaillé beaucoup, j'ai écrit beaucoup, j'ai peint aussi, pas mal, et c'est passé. Et là, quand je pense à ce moment-là, pour moi, c'est très, très, très loin. On dirait que ça s'est passé il y a 20 ans. Maintenant que ça recommence, j'ai une certaine gêne, une certaine mauvaise humeur, parce que je sais qu'il faut le faire, je sais qu'il ne faut pas se déplacer, qu'il ne faut pas voir les gens, mais je vais me sentir de nouveau séparé des gens que j'aime, de mes enfants, de mes amis. Je le ferai, bien sûr, parce que je suis discipliné, mais je trouve que l'été, par exemple, en tout cas en France, peut-être en Italie c'est différent, en France les gens se sont laissés aller et ils ont permis au virus de se développer. Donc on n'a pas pris au sérieux cette tragédie. Et maintenant, ce qu'on appelle le confinement, c'est une épreuve pour tout le monde, pour toute l'Europe. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la Chine a résolu le problème, la Corée aussi, je crois, et pourquoi pas l'Europe. Alors j'ai réfléchi à ça et je me suis dit finalement, ce qui fait que nous n'arrivons pas à résoudre ce problème en Europe, c'est la démocratie. Parce que si nous étions des États autoritaires comme la Chine, je pense qu'on aurait battu le virus très vite. Mais évidemment, je ne vais pas souhaiter un régime autoritaire en Europe, mais pour vous montrer que la démocratie est fragile et que la démocratie, le fait de respecter l'individu, de lui donner sa liberté, eh bien maintenant, il y a des gens qui protestent, il y a 30% de Français qui protestent contre le nouveau confinement parce qu'ils disent que c'est une atteinte à nos libertés. C'est vrai, c'est une atteinte à nos libertés, mais en même temps, si nous ne faisons pas ce confinement, ça veut dire que nous ne sommes pas solidaires et que nous sommes uniquement individualistes. Et c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est des États où l'individu existe. En Chine, l'individu n'existe pas. L'individu, il est insignifiant. Mais chez nous, en Europe, l'individu a sa liberté. Et on lui demande aujourd'hui d'être solidaire. Et c'est une question qui ne passe pas facilement auprès de beaucoup de gens. Je ne sais pas en Italie comment ça se passe, mais en France, les gens sont en colère, les gens protestent. J'ai lu ce matin des articles de gens qui ne sont pas d'accord. Il y a donc 30% de gens qui ne veulent pas de ce régime de confinement. Disons, en Italie aussi, il y a eu des manifestations, des protestations même violentes.
des restaurateurs, des gens qui souffrent évidemment. C'est autre chose. Les gens qui perdent leur travail, c'est une autre chose. Je parle. Non. Parce que. Mais dans ce mouvement de protestation pour sa propre vie, il y a eu les dérives des extrémistes de destre, de droite, des ultras de foot, des gens qui doivent comme faire exploser la rage n'importe quel sujet. Donc ça c'est. Mais à propos du discours que je trouve très intéressant, important, sur l'individu, l'égoïsme et la solidarité. Je viens de lire un article d'un philosophe coréen qui est apparu sur El País, où il disait, évidemment la Chine c'est un régime autoritaire, la Corée c'est une démocratie avec des limites, mais c'est une démocratie, et là c'est surtout le sens de la communauté, le sens civique qui est supérieur en effet à ce qui est en train de se passer en Europe. C'est un peu ça que vous pensez, vous dites quand vous réfléchissez sur ça. Le manque de sens de communauté. Le problème, c'est que il y a du civisme en Europe, mais pas toujours. Et là, on a vu qu'il y a une partie qui ne veut pas jouer le jeu. Et donc, le virus va continuer. Revenons un petit moment sur Insomnie, parce que le début, vous l'avez entendu, vous les spectateurs, c'est fulgurant, on est dedans l'histoire immédiatement. La première phrase, c'est vraiment fulgurant, j'ai tué ma mère. Et puis on explique pourquoi. Le protagoniste est un scénariste, il bâtit des histoires, il devient protagoniste d'une histoire qui pourrait être un film. Ce fait de tuer, ou mieux, comme vous dites, d'aider, anticiper la mort, parce que c'est surtout des gens qui sont déjà condamnés un petit peu qu'il va tuer, mais pas seulement. C'était presque la traduction, je dirais, littéraire, quand on dit mot extrême, remède extrême. Est-ce la condition humaine aujourd'hui? Ça veut dire seules des solutions radicales peuvent résoudre les problèmes qui sont parfois énormes auxquels nous sommes confrontés. Il faut des solutions radicales, bien sûr. Regardez ce qui se passe en ce moment, surtout en France, avec le terrorisme individuel. C'est un terrorisme qui est extrêmement cruel, parce que c'est pas que tuer qui est là. C'est le fait qu'on égorge, on fait quelque chose d'horrible, de la barbarie totale. Eh bien, ça continue. Avant-hier, c'était Nice avec 3 morts. Tout à l'heure, il y a un prêtre qui a été attaqué à Lyon. Ça continue. Et si on n'a pas une solution radicale contre ça, ça va continuer toujours. Oui, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Il y a eu une attaque au pistolet contre un prêtre orthodoxe, il me paraît, et donc c'est la France sous attaque. Évidemment, ça c'est un grand thème, et vous en avez écrit, soit en écrivant sur le terrorisme, expliqué aux jeunes, aux enfants, soit en écrivant sur l'islam. C'est un dialogue entre deux adolescents. Mais est-ce que... Ça, c'est il bello della diretta, on dit en italien. Donc, c'est des grands thèmes sur lesquels vous avez écrit, réfléchi, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand on voit cette vague d'islamophobie qui est liée à ces attentats qui sont clairement de l'extrémisme islamiste, quand on voit que le salafisme est soutenu au niveau du gouvernement par des contrats internationaux, des pays qui font des affaires avec ça. Comment est-ce qu'on entre dans ce débat qui est très, très difficile? Quand Erdogan dit aujourd'hui l'islam, les fidèles de l'islam sont traités comme les juifs dans les années 30, on est horrifié. Mais quelle est votre sensation, réaction par rapport à tout ça qui est compliqué, évidemment? Écoutez, hier, j'ai reçu un coup de téléphone de mon ami, le poète Adonis. Il m'a dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Un quart d'heure après, un autre ami,
deux amis égyptiens m'ont appelé, m'ont dit il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes évidemment horrifiés, nous sommes déchirés, nous sommes brûlés par cette horreur. Et comment réagir? Nous condamnons d'une manière ferme et sans aucune ambiguïté tout ça. Mais le problème, il est beaucoup plus grave parce qu'il se trouve que maintenant, en Europe, en tout cas en France, il y a des individus qui ont 20 ans, 18 ans, peu importe, qui ont, par l'ignorance, par je ne sais pas comment, qui sont convaincus qu'ils sont sur Terre pour venger le prophète. Comment extirper de leur tête cette idée qu'ils ne sont pas là pour ça? Et là, moi, je trouve que la réponse est extrêmement difficile. On pourrait effectivement arrêter, mettre en prison tous les suspects, tous les gens qui sont désignés comme radicalisés, mais ça ne va pas résoudre le problème. On peut renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui n'ont pas la nationalité française. Ça va peut-être alléger le problème. Mais nous sommes dans une situation inextricable, difficile, parce que l'islam est une chose et ce qu'ils font ces gens-là est autre chose. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a la confusion. Pour eux, islam, islamisme, c'est la même chose. Et c'est très difficile de séparer l'islam de cette violence. Très, très difficile. Je le vois dans les débats, par exemple, à la radio, à la télévision, il est très difficile de dire, bon, écoutez, les caricatures du prophète, bon, très bien, nous sommes dans un pays laïque où il y a le blasphème. Mais est-ce que vous ne pensez pas que des musulmans qui habitent en France ont le droit au respect de leur sensibilité? Pourquoi aller les blesser, les humilier par des caricatures stupides? Pourquoi? Je ne vois pas. Bien sûr que vous êtes libre, vous êtes dans un pays laïque, vous avez toutes les libertés. Mais dans votre pays habitent 5 à 6 millions de musulmans qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on leur laisse en paix et qu'on n'aille pas les insulter par des caricatures qui sont hideuses et qui finalement ont créé beaucoup plus de mal que de sourire ou de rire. Donc vous dites c'est mieux de ne pas provoquer des situations. Donc vous auriez dit, si vous étiez rédacteur en chef de Charlie Hebdo, vous auriez dit mieux ne pas publier jusqu'à ce niveau. Moi, si j'étais rédacteur, je n'aurais pas publié pour une raison très simple, qui est beaucoup plus philosophique que journalistique. Le prophète n'est pas représentatif, n'est pas représenté, c'est une divinité, c'est une spiritualité, c'est pas un être humain avec une barbe et un turban dans la tête. C'est pas ça pour moi le prophète. Le prophète, c'est une idée. Même Jésus, quand je le vois représenté dans des églises crucifié, je suis gêné parce que Jésus est un messager, est une idée, c'est une conviction, c'est une vision du monde, c'est une spiritualité. Ce n'est pas un être en chair et en os qui est là. Vous comprenez? Il a existé, bien sûr, le prophète a existé, mais ce à quoi croit le milliard de musulmans, c'est pas un bonhomme avec une barbe et un turban. Non, il croit à une certaine idée de la vie et de la mort qui est représentée par le prophète. Et cette spiritualité, on ne peut pas la caricaturer parce qu'elle n'est pas dans le physique, elle est dans l'abstrait, elle est dans l'esprit. Venons au deuxième morceau de votre livre. Là, il y a un autre meurtre, mais c'est différent. Écoutez un petit moment. L'idée de tuer un deuxième salaud en l'espace de mois ne me déplaisait pas complètement, à vrai dire. C'était assez risqué car l'endroit était bien gardé, mais cela valait la peine de tenter un dernier coup avant de me ranger définitivement et jouir de mes nuits, devenues ces temps-ci de plus en plus épaisses et remplies de rêves et d'histoires. J'étais de nouveau obsédé par la remarque d'Hitchcock sur la difficulté matérielle de tuer quelqu'un à main nue.
sans avoir recours à une arme à feu, éventualité qui était, en ce qui me concernait, hors de question. Je n'étais pas un tueur, mais un hâteur de mort. Durante il viaggio, mentre Tony era al volante, ho letto il dossier. Dentro c'era un taccuino dove questo bastardo annotava il nome e l'età dei prigionieri che torturava, senza ulteriori commenti. A volte, dopo il nome, scriveva il genere di tortura architettato. A quanto pare era un esperto, probabilmente addestrato in America Latina. La cosa strana era il suo volto, all'apparenza dolce e umano, privo di qualsiasi traccia di malizia o crudeltà. Avrebbe potuto essere un insegnante universitario o un tranquillo uomo d'affari. In realtà torturava senza farsi domande. Era il suo lavoro, era ben pagato per questo e operava nella più assoluta discrezione. La sera tornava a casa, ritrovava moglie e figli, cenava con loro, guardava la TV e poi dava a ciascuno il bacio della buonanotte prima di andare a dormire del tutto in pace. Sua moglie probabilmente ignorava le sue esatte mansioni al Ministero degli Interni. Non le mancava nulla, riceveva regali dal capo, adorava suo marito. Ce meurtre est beaucoup différent par rapport à celui de la mère dont on a parlé, puis il y aura un autre en famille. Il y a un sens de justice sociale. C'est le deuxième bâtard, il dit, qu'il tue. Le premier, c'était un type qui avait molesté sa nièce. C'est une solution, je dirais, pour dénoncer dans cette phrase, dans ce petit morceau, on le voit, hypocrisie, silence de la société. Cet homme conduit, vous dites, une vie absolument tranquille et normale, apparemment pacifique. Pourquoi, à ce moment du roman, il y a ce saut de qualité, de faciliter la mort de la mère, dans la famille, et puis d'aller sur une certaine vengeance sociale pour un molestateur et pour un torturateur? Parce que lorsque le roi Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décidé, il a créé une commission pour demander à tous ceux qui ont été victimes de répression et de torture les 30 dernières années avant son règne, et qu'ils amènent des preuves pour qu'on puisse les indemniser et les réparer. Et ça, ça a été formidable, parce que c'est le seul chef d'État arabe qui a fait ça. Il y a eu 29 000 dossiers, c'est énorme. Ensuite, les anciennes victimes ont demandé que les tortionnaires soient jugés et punis. Et là, il n'a pas accepté. Parce que je pense que ce serait à ce moment-là une sorte de vengeance comme une guerre civile. Et moi, mon personnage dit finalement, un tortionnaire, c'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui effectivement emmène ses enfants à l'école, il fait un petit bisou, et puis après il descend dans la cave, il enlève sa veste et il dit maintenant on va torturer. Les tortionnaires, c'est pas des gens spéciaux, c'est des gens, c'est banal, c'est n'importe qui. Ce qu'ils font est monstrueux, mais apparemment ils vivent une vie normale. Ils ont une famille, ils ont des sentiments, ils ont une femme, des enfants, ils font la fête, ils vont au cinéma. C'est des gens comme tout le monde. C'est pas des gens particulièrement monstrueux dans leur apparence quotidienne. Mais ils font un travail monstrueux. Donc il fallait à ce moment-là diriger le roman vers une couleur politique. Cette couleur politique, c'est effectivement de punir un tortionnaire. Mais ça veut dire que la vengeance, c'est un sentiment peut-être en certains cas compréhensible, mais pas justifiable si c'est la violence. Ça on le dit, mais dès qu'on vit en première personne une situation comme ça, difficile à juger. Mais est-ce que on peut tolérer ce visage, disons,
tranquille, on en a parlé beaucoup, la dictature en Argentine. On parle beaucoup de ces fonctionnaires qui ont obéi aux ordres. C'était une des grandes discussions au moment du procès de Nuremberg contre les nazis. À part les grands chefs, il y avait des fonctionnaires dans les champs de concentration. Est-ce qu'on peut pardonner cette double vie? Moi, je pardonne pas. Moi, je suis pour la justice. La justice qui s'exerce. Sinon, effectivement, j'avais suivi à l'époque, parce que j'avais des amis en Amérique latine, au Chili, en Argentine. Je me souviens, j'avais visité Buenos Aires, parce que c'était après la dictature, et j'étais avec un père qui a perdu son fils, et il m'expliquait qu'ils arrivaient le matin, ils disaient, aujourd'hui, nous allons faire les étages impairs, et on va prendre tous les jeunes et on va les jeter à la mer. Et c'était quelque chose de naturel, ils faisaient ça systématiquement. Et après, bien sûr, les généraux sont partis, les dictateurs sont, les tortionnaires, ceux qui ont fait ça, sont toujours là. Et moi, j'ai besoin de justice, j'ai besoin que celui qui a tué soit puni par la loi, par le droit. Alors, on parle justement de justice, entre justice et vengeance. Il y a quand même une différence. On a parlé déjà de cette vague de terrorisme qui prend en plein fouet la France. 3 attaques en peu de jours, avec une émotion énorme, évidemment, pour les lieux et pour la façon. Là, selon vous, la rage et la vengeance est justifiable. Quand on voit, on entend, on ne les a pas vus, per fortuna, je dirais en italien, des scènes comme celles qu'on a vues, entendues à Nice. Personne ne les a vues. Non, mais c'est pour ça que moi, je trouve que l'État français, enfin Macron, devrait prendre des décisions très fortes et très, très déterminantes. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter parce qu'on a affaire à une armée silencieuse, anonyme, sans visage, sans adresse. On ne sait pas d'où ils viennent. Certains viennent du Pakistan, d'autres du Tchétchénie, des autres d'Algérie, d'autres de France, qui sont nés en France. Et ils sont intoxiqués par ce délire de l'État islamique qui a échoué sur le terrain, mais qui continue de faire du mal et de sévir dans le monde. Nous avons des comptes à régler avec beaucoup d'États, des États constitués qui ont financé l'islamisme, qui ont donné de l'argent à des assassins. Nous avons des comptes à régler avec des États qui prônent un islam dur, un islam sans tolérance, un islam fanatique, celui des frères musulmans, comme on dit, et cela, on ne peut pas continuer à les tolérer. Mais malheureusement, l'Europe continue de travailler avec ces États, de collaborer parce qu'il y a des armes à vendre, il y a des usines à faire, etc. Donc l'économie l'emporte sur la morale. Et là, je suis en colère parce que on a laissé faire pendant 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons le résultat, c'est que des assassins sortent de l'ombre avec un couteau et ils tuent la première personne qu'ils rencontrent. Que faire ? Il faut que toute la France se mobilise et que les pays musulmans et que les communautés musulmanes à l'intérieur de ces pays se révoltent. Moi, je verrais bien une manifestation monstre de 4-5 millions de musulmans. Tous, ils sortent dans la rue pour dire non à cela, ça, ne faites pas ça en notre nom. Nous n'avons rien à faire avec ces islamistes qui sont des tueurs, qui sont des terroristes, qui sont des monstres. Mais malheureusement, la communauté musulmane, en tout cas en France, n'est pas bien organisée, n'a pas l'habitude de sortir. Ce sont des gens, des travailleurs tranquilles qui vivent en paix, mais qui ne sont pas habitués au combat, qui ne sont pas habitués à répondre au combat. Donc ces manifestations, malheureusement, n'auront pas lieu.
Mais est-ce que c'est pensable ou possible qu'une mobilisation comme ça, au moins au niveau intellectuel, soit réalisée dans les pays musulmans qui prônent ce type d'islam, que j'imagine ce n'est pas l'islam voulu par tout le monde en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays comme ça. Tous les États condamnent ça, bien sûr, ils le condamnent. Mais il faut demander des comptes à certains États qui ont, eux, financé ces Daesh, qui ont financé l'État islamique. Parce que l'État islamique, il a beaucoup d'argent. Il n'est pas né de rien. Donc, il faut... Mais je pense qu'il est arrivé le moment où la morale politique devrait prendre le pas sur l'économie. Comme aujourd'hui avec le Covid. Ben, le Covid nous a obligés à laisser l'économie de côté et sauver des vies. Même si... Je sais que c'est très malheureux qu'il y a des commerces qui vont perdre leur commerce, mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas emporter la victoire sur le virus. Et bien sûr, l'islamisme, c'est la même chose. Il faut sacrifier l'économie, il faut ne plus faire d'affaires avec des États meurtriers, des États qui ont financé cet État islamique, et à ce moment-là, peut-être que ces États eux-mêmes feront le ménage parmi les musulmans intoxiqués. Donc, selon vous, on pourrait sacrifier un peu de bien-être et un peu de liberté au nom d'un triomphe, disons, de la morale? Pas de la morale, mais de la vie. Parce que vous vous rendez compte, le professeur Samuel Paty, le pauvre, il a laissé une femme, des enfants, il faisait son travail le plus honnêtement possible et on lui a coupé la tête. Comment est-ce possible? Comment est-ce... Ce n'est plus tolérable ce qui se passe. Les trois personnes qui ont été tuées dans l'église, c'est à Nice, c'est insupportable, c'est pas du tout. Et là, ça continue. Alors, jusqu'à quand on va s'arrêter quand? Quand est-ce qu'on va dire, bon, maintenant, on va... Je ne vois pas, face à cette armée invisible, je ne vois pas d'armée armée avec des armes pour lutter contre ces salopards. Je ne les vois pas. Et le peuple français est en train de pleurer ses victimes tout en disant c'est l'islam, même si certains disent oui, c'est l'islamisme. Bon, ben, mais pour beaucoup de gens, c'est l'islam. Or, l'islam n'y est pour rien dans cette histoire. Encore un petit morceau de insomnie. Ma chambre à coucher était devenue un petit paradis. Tout était en ordre, les draps étaient changés tous les deux jours. L'oreiller était impeccable, les murs étaient blancs. J'avais retiré les portraits d'Ava Gardner ainsi que ceux de Jean Tierney. Cette actrice me rappelait Oriane, une jeune femme d'une beauté éblouissante rencontrée lors d'un dîner. L'air était purifié plusieurs fois par jour. Je m'étais débarrassé de tous les objets électroniques, téléphone portable, ordinateur, télévision, transistor. J'avais mis à la poubelle les boîtes de somnifères ou de calmants. Maintenant, je demande à tout le monde un petit peu de patience parce que je dois récupérer le texte en italien que j'ai seulement de ce chapitre sur mon appareil. Le voilà. Ça va vite avec la technique. Avevo giusto tenuto con me l'apparecchio per misurare la pressione, un termometro, una scatola di paracetamolo, i tappi per le orecchie, un bicchiere, una bottiglia d'acqua, un romanzo di Rob Grier nel caso in cui il sonno tardasse ad arrivare, una scatola di fazzoletti di carta e un piccolo taccuino dove annotavo le idee che mi venivano di notte. Stamattina, come un uomo nuovo, mi sono divertito a calcolare le notti di buon sonno che avevo guadagnato con la fatica dei miei stratagemmi. Grazie a mia madre, 12 mesi di sonno eccellente, alla luce dell'amore che provavo per lei, avrei meritato almeno il doppio. Ma a lei non piaceva che si insistesse per ottenere sempre di più. Avevo comunque beneficiato di 365 notti di sonno di buona qualità. Come un vecchio droghiere berbero ho iniziato a fare i conti, dicendomi che era meglio aggiungere che sottrarre. Ho fatto un calcolo approssimativo delle notti che avevo guadagnato tenendo conto dell'importanza delle mie vittime.
la mia sorellastra 4 mesi, ci vedevamo raramente, il nostro legame non era forte come si potesse pensare. Il marchese 3 mesi buoni, il puntatore almeno 1 anno, ma non sono sicuro. Se la morte non lo vuole, lo respinge per i cattivi odori che emana, tutto dovrà essere riconsiderato. I 2 fratelli Alzheimer 11 mesi, Yazid il torturatore tanto quanto il delinquente 1 anno, la strega 1 anno intero, il vecchio inglese 6 mesi, totale 72 mesi di sonno garantito, erano 6 anni di tranquillità in totale. Questo rapido calcolo ha suscitato in me un senso di orgoglio e di soddisfazione. Era la prima volta che ottenevo una vittoria sulle incoerenze e le brutalità della vita. Ho avuto voglia di condividere questa gioia con i miei amici, ma visti i percorsi presi per ottenere questo risultato, era evidentemente impossibile. Una voce interiore mi ha detto: dimentica la morale, non guardare troppo a quello che fai, fallo e segui il tuo percorso. Pensa a te stesso, sii un po' egoista. Così ho organizzato una grande festa a casa mia per i miei amici. Sono venuti tutti e quando mi hanno chiesto cosa stessi festeggiando quella sera, ho risposto: la leggerezza, l'insondabile leggerezza della nostra esistenza. Qui abbiamo una, une phrase que je trouve centrale, on a déjà parlé un petit peu avant. Sois égoïste, pense à toi-même. C'est un des grands mal de notre société. C'était un peu par dérision. Il y a des personnes qui effectivement sont, ou bien ne pensent qu'à eux, qu'à elles, sont égoïstes. Il y a des personnes qui sont plutôt versées vers les autres et qui vont vers les autres. Mais quand je dis sois égoïste, c'est-à-dire finalement, il faut à certains moments s'aimer un peu pour aimer les autres. Il faut s'occuper de soi pour être en bonne forme, pour être, pour faire le bien avec les autres. Parce que si on s'aime pas, si on néglige ce que nous sommes, si on ne fait pas du bien à soi-même, on n'est pas capable d'aimer les autres et de faire du bien. Mais cette attitude, on s'aime et on peut donc donner aux autres. Moi, je me rappelle, tout le monde se rappelle, dans la première phase de la pandémie, on disait on en sortira des gens meilleurs. Parce qu'il y avait des éléments de solidarité qui se manifestaient, des jeunes oui. qui allaient faire les courses pour les vieux qui ne pouvaient pas aller au magasin. Vous y avez cru un moment et vous y croyez à ce petit slogan on en sortira meilleur. Je pensais à ça, oui, oui, oui. Je pense toujours, parce que les situations créent des moments pour que l'homme réalise quelque chose de bien. C'est parce qu'on l'a vu pendant la guerre, par exemple, la vraie guerre avec des armes. Dans la guerre, il y a des gens qui deviennent des résistants et d'autres qui collaborent. C'est partout dans le monde entier, c'est pas uniquement ici. Donc, ben, en ce moment, on est dans une guerre bizarre, étrange, que Bill Gates avait prévu en 2015. Un virus allait vraiment atteindre toute l'humanité. Eh bien, devant cette guerre, la solidarité devient essentielle et fondamentale. Mais ce qui est terrible dans cette guerre, c'est que les personnes qui sont malades, les personnes qui sont très à risque, on ne peut pas les voir. Et la douleur du deuil de certaines personnes qui ont perdu un grand-père ou un père ou une mère, eh bien, c'est quelque chose qui est difficilement réparable. Et ça a touché beaucoup de gens. Même des gens qui ne se connaissent pas, lorsqu'ils apprennent que telle personne a perdu son grand-père sans lui dire au revoir, que l'enterrement s'est fait d'une manière techniquement en dehors de toute personne, ça devient horrible. C'est quelque chose de nouveau et en même temps, je pense que
la crise que nous vivons actuellement est une crise qui va laisser beaucoup de traces, pas uniquement sur le plan économique, mais sur le plan de la vision du monde, de la vision des choses. Je pense que l'arrogance de ces 20 dernières années, l'arrogance de Wall Street, l'arrogance de l'argent facile gagné par les traders, les financiers, les gens qui gagnent dans une après-midi $1 million parce qu'ils ont fait une opération fantastique, tout cela a été parfois assez grotesque. Je ne suis pas contre les gens qui gagnent de l'argent, ce n'est pas la question que je pose. Mais il y a un certain moment où il faut penser à ceux qui n'ont rien. Et quand on pense que 10% de la population mondiale possède la moitié de l'univers, la moitié de la richesse mondiale, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là. Et les injustices s'accumulent, les inégalités s'accumulent, et ce n'est plus possible de vivre comme ça. Donc je pense que le Covid, pour ceux qui ont une sensibilité, va nous faire réfléchir sur l'avenir. On ne peut plus continuer à vivre dans un égoïsme arrogant, individualiste, singulier et en même temps un égoïsme ravageur qui fait qu'on écrase le pauvre, on ignore le malheureux et on avance et on étale de l'argent facile. Je ne parle pas de l'argent de la mafia, je parle de l'argent qui se fait très facilement dans des cabinets de gens qui jouent avec l'argent des autres. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est une, je dirais, une arrogance que l'humanité devrait penser et devrait réfléchir. Il y a un applaudissement et je me joins. Et si tout le public veut applaudir, on est content. Ce sont des évidences. On lit un petit morceau encore, le dernier, on va vers la fin, parce qu'il y a un thème qui est très important et que vous avez traité, et vous allez encore traiter dans vos livres, c'est les jeunes et l'éducation. Mais on va vers la fin de votre roman. J'attends le train des retardataires, des ivrognes et des bâtards, des paumés et des fripouilles, des chats sauvages et des ânes borgnes, de ceux qui devraient être au lit mais qui traînent dans les bars, de ceux qui se sont trompés de vie et de rue, des abonnés de chagrin, des rêveurs voyageurs, des maniaques de l'insouciance, des délinquants attardés, des enfants des rues, des cambrioleurs du hasard, des petits malins de la nuit, des corps abandonnés, des corps mal foutus, des débris et des déchets. Sono qui da un po', sono arrivato in anticipo. Non mi perdonerei di perdere il treno del sonno, soprattutto se non ripassa. I suoi orari strani sfidano la logica. A volte si dimentica di fermarsi. A quanto pare ognuno ha il suo treno, non bisogna sbagliarsi. Succede che si salga su quello sbagliato sperando che la cosa si possa fare. Ma ci si sente subito a disagio, come se qualcuno avesse fatto irruzione in casa di qualcun altro. Quelli che dormono bene, che si preparano il letto, ti guardano male. Non si è il benvenuto, ci si scusa, si balbetta qualcosa per abbassare la tensione, ma è tutto inutile. Non si può rubare la notte di qualcun altro. Bisogna scendere subito e aspettare il proprio treno. Inutile far suonare l'allarme, il treno non si ferma. Si va nel panico, ci si sente perduti, si vedono sfilare i paesaggi, e si contano le pecore come da bambini. Le pecore sono nuvole che ci seguono. Conosco il mio treno, è lento e vecchio. Sulla locomotiva è scritto il nome di Brigitte Bardot. È strano aver dato questo nome a una vecchia locomotiva in fin di vita. Potrebbe essere un errore. Non voglio indagare, avrei preferito che il mio treno si chiamasse Gary Cooper o Burt Lancaster. Potrebbe anche portare il nome del corridore marocchino, campione del mondo, Aouita. Che importa? Non passa tutte le sere. Capita spesso che si rompa o si fermi in altre stazioni. Più volte, proprio quando il suo arrivo è imminente, una voce impercettibile e spiacevole mi informa attraverso un altoparlante
che per ragioni tecniche e metafisiche il BB non servirà più questa stazione. La voce ripete ogni 5 minuti il suo messaggio senza ulteriori spiegazioni. On est au destin, au train du destin, qui deviendra un bus pour le protagoniste avec un chauffeur qui chante No Woman, No Cry. Et lui, il résiste plus. Il arrive, il dit le grand sommeil. C'est un fin de livre, un final avec peu d'espoir. Cette édition, vous le savez, tout le monde le sait, des journées littéraires est posée sous le signe des grands espoirs du roman de Dickens. Hein. Là, il y avait Pip, un orphelin qui essayait de se construire une vie de gentleman en Angleterre, en pleine révolution industrielle. Donc, de développement d'une part et d'inégalité sociale de l'autre. La révolution technologique nous confronte un petit peu à une situation similaire. On a des perspectives de croissance, on peut faire cette rencontre qu'on n'aurait pas pu faire sans révolution technologique, mais on a aussi, Tahar Ben Jelloun en a parlé largement, une augmentation du fossé entre les riches et les pauvres. Qu'est-ce qui peut donner un grand espoir ou une grande attente? Le titre original du livre de Dickens est « Expectation ». À un orphelin, à un pipe, à un jeune de 2020. D'abord, moi je pense que la littérature, que ce soit celle de Dickens ou celle d'aujourd'hui, la littérature n'est pas faite pour apaiser, elle est faite pour inquiéter, parce que le romancier s'intéresse à ce qui ne va pas dans une société. Quand tout va bien, pas besoin de littérature. Un couple, par exemple, qui se rencontre, qui est amoureux, qui se marie, qui fait des enfants, qui n'a aucun problème, ça n'intéresse aucun écrivain, parce qu'il n'y a rien à raconter. En revanche, un couple qui s'aime, qui se rencontre et qui se dispute, et qui se rend compte que finalement, ils n'ont pas été faits pour vivre ensemble, ça devient intéressant pour un écrivain, parce qu'il va raconter les malheurs de ce couple. Et l'espoir, c'est finalement l'affaire de chacun. Parce que quand il y a, par exemple, en ce moment, ce virus qui se propage à une grande vitesse et qui tue sans pitié, d'ailleurs, il est très démocratique, il tue tout le monde, les riches, les pauvres, les petits, les grands, les maigres, les faibles, les gros, tout. Il tue tout le monde. Il n'est pas raciste. Mais en même temps, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est qu'on trouve effectivement un vaccin pour lutter contre ce virus. Mais pour trouver le vaccin, il faut que l'intérêt économique se fasse discret et qu'il y ait d'abord la recherche qui est mise en avant. Or, on a appris, par exemple, au début, et Trump l'avait dit, que si l'Amérique trouve un vaccin, il le sera uniquement pour les Américains. Et ça, on voit déjà dans cette attitude une défaite de l'humanité. Or, si un vaccin est trouvé, il est pour tout le monde. Quand Pasteur a trouvé le vaccin contre la rage, il n'a pas gardé que pour son quartier ou pour la France, il a donné à tout le monde. Et c'est ça qui fait que l'espoir viendrait d'une réelle solidarité naturelle qui viendrait de tout le monde. Et on n'a même pas à se poser la question. Quand il y a à manger pour 5, il y a à manger pour 10. C'est ça qu'il faut se dire. Quand on peut partager, on partage. Et je trouve que, effectivement, l'attitude de Bill Gates et ses 39 milliardaires qui ont donné la moitié de leur fortune pour aider des pays, pour vacciner des enfants dans le monde entier, c'est très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de milliardaires. Surtout dans le monde arabo-musulman, il y a beaucoup de milliardaires, mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils construisent des mosquées au lieu de construire des hôpitaux. Et ça, c'est ou des universités. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureux, qui est très triste, parce que ils ont la chance d'avoir beaucoup d'argent avec leur pétrole ou leur gaz, et avec ça, au lieu de servir le peuple, l'humanité, ils se servent eux-mêmes.
Vous avez écrit des livres, on l'a dit, consacrés aux jeunes, le racisme expliqué à ma fille, l'islam expliqué à... si, c'est la fatigue après un petit peu. Expliquer à nos enfants le terrorisme. J'ai beaucoup de choses. Le terrorisme expliqué à nos enfants, et ça va sortir en italien au début novembre, la philosophie expliquée aux enfants. Ça va sortir le 5 novembre, si j'ai bien lu, pour la nave de Théseo. Alors, expliquer le monde à la jeune génération est une tâche essentielle pour les intellectuels d'aujourd'hui. Vous le dites, vous le pratiquez, mais dites-nous, on peut imaginer, mais pourquoi c'est tellement essentiel et il faut se dédier avec force et avec intensité. Écoutez, moi, je crois beaucoup à la pédagogie. Je crois beaucoup à l'école, je crois beaucoup, beaucoup à l'éducation. L'éducation de l'école, l'éducation à la maison, l'éducation dans la rue, l'éducation par les médias, je crois beaucoup à ça. Donc, quand j'allais dans les écoles, et j'ai été dans des centaines d'écoles dans le monde, je me suis rendu compte que lorsque je parlais d'islam ou de racisme ou de terrorisme, je leur expliquais des concepts philosophiques. Je parlais de la mort, je parlais de la morale, je parlais du droit, de la justice, je parlais de l'ignorance, je parlais de l'espoir, je parlais de la vérité, du doute. Et je me suis dit, mais enfin, on peut aujourd'hui expliquer des concepts philosophiques importants de la vie quotidienne à des enfants à partir de l'âge de 12-13 ans. Et on ne va pas attendre 17-18 ans, c'est-à-dire la terminale du lycée, pour faire de la philosophie. La philosophie, c'est une façon d'apprendre à penser, de définir les mots et les concepts avec lesquels nous vivons. Un enfant de 12 ans, il va dans une phrase, il peut vous dire « ce que vous faites, monsieur, n'est pas juste ». Il va parler de justice. Ou alors « vous n'avez pas le droit de faire telle chose ». Donc, il parle, c'est quoi le droit ? Il va dire, et puis, ce que vous dites est un mensonge. Moi, je veux la vérité. Il y a ces deux concepts, mensonge, vérité. Donc, ce sont des choses qu'on peut expliquer à un enfant de 12 ans très, très bien. Et j'ai fait, d'ailleurs, quand j'ai fait le livre, qui m'a demandé énormément de travail, plus d'une année, j'ai expérimenté le livre avec une classe de 6e, une classe de 5e, et j'ai vu comment les enfants réagissaient. Ils comprenaient très bien. Mon rôle, à moi, c'est de faciliter la compréhension des concepts difficiles et en même temps de dire à l'enfant, je te fais confiance, tu es intelligent, tu peux comprendre, tu es un enfant, tu as de l'imagination, vas-y, ne sois pas timide et surtout, penser, c'est d'abord dire non, c'est d'abord douter, c'est d'abord mettre en question ce qu'on te dit, n'avale pas tout ce qu'on te dit, fais attention parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils nous envahissent de fausses nouvelles, dégueulasse, des choses horribles. Donc, fais attention. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et je pense que le livre qui est sorti en France il y a un mois a conquis beaucoup d'enfants parce que il marche très, très bien dans les librairies. Et j'attends que les écoles le prennent comme manuel de travail parce que c'est un travail que j'ai fait vraiment dans le sens de rendre la philosophie à la portée de n'importe qui. Aussi. Et là, je suis parti tout simplement, parce que j'ai fait beaucoup de philosophie d'étudiants, j'ai préparé la grecque et la philosophie il y a très longtemps, et je suis parti de Socrate. Socrate, c'était un bonhomme extraordinaire qui avait une sorte de maïeutique, de dialogue avec quelqu'un et qui creusait les mots, qui creusait les pensées, il arrivait petit à petit, avec une très grande clarté, à définir les choses. Il y avait Platon qui écrivait les systèmes philosophiques, la République, par exemple, le banquet, etc. Et puis, il y avait Socrate qui faisait la philosophie quotidienne, populaire, simple. Et je me suis inspiré de la maïeutique de Socrate pour faire ce livre. Alors, on est très curieux de lire ça et on vous remercie pour cette présence. On vous attend pour parler de philosophie et d'un enfant. Vous dites, les enfants posent les bonnes questions, on va les entendre, surtout les réponses. Et donc, je vous remercie beaucoup pour cette heure. Je vous remercie infiniment de cette opportunité et j'espère de tout mon cœur que bientôt
les échanges physiques, les échanges réels vont reprendre et que je viendrai avec plaisir rencontrer le grand public italien que j'apprécie et que j'estime. Malheureusement, en ce moment, on est dans une sorte de désespoir parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. J'espère bientôt, très bientôt. Allora, un abbraccio virtuale e un applauso reale per Tahar Benjelloun. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aux gens qui étaient là au Monte Verità, qui donnent vraiment un esprit de grandi speranze et aux gens qui nous ont suivis. Et je vais quitter l'écran, ok? D'accord. Bonne soirée en Normandie. Merci. Grazie dunque a tutti. Le grandi speranze ce le teniamo e le coltiviamo. Gli eventi letterari del Monte Verità continuano. Buona serata e grazie.